Mariam, qui était poète, astronome, savant, un savant de cette époque, du XIe siècle, qui vivait en Perse. Alors, dans le pays qui est aujourd'hui pour devenu moitié l'Iran et moitié une de ces anciennes républiques soviétiques, dont j'avoue, j'ai oublié le nom, peut-être l'Ouzbékistan, en tout cas, sur la route de la soie, là-bas, du côté de Samarkand. Et Omar Khayyam s'est trouvé déjà à cette époque-là victime et en butte aux persécutions et à tous les dogmatismes religieux, les fanatismes. Et en réaction à ces attaques, Omar Khayyam nous a légué des roubayats, ce sont des quatrains, en fait, qui s'est mis à écrire, réfugié dans un lieu un peu, voilà, il a perdu contact avec le monde, quelques amis autour de lui, et il a écrit ces roubayats qui tous parlent, pratiquement tous parlent du vin, mais le vin étant en quelque sorte le symbole de la résistance de l'homme, de sa capacité à affirmer sa liberté. Et si vous voulez, je vais vous lire quelques roubayats. Le temps sans serveuse et sans vin, c'est rien. Sans les mélodies de la flûte, c'est rien. Plus je regarde les choses d'ici, et plus je me dis, sans les filles, sans le vin, c'est rien. Khayyam, si tu as du vin, trouve-toi bien. Près d'une jolie ajoue de tulipes, si tu es assis, trouve-toi bien. Puisque la fin des affaires du monde, c'est rien, bien dis rien à ce rien. Puisque tu vis, trouve-toi bien. Ils disent tous, il y a même un enfer. Le cœur ne doit pas s'émouvoir. Si demain, tous ceux qui boivent et font l'amour étaient de l'enfer, alors le paradis, comme le creux de ma main, serait désert. Holà l'orchestre ! Holà du vin, que je puisse crier, vive le matin ! Qu'il est beau le sort de celui qui pense à remplir son verre de vin de bon matin. Sur terre, il y a trois choses dont nous avons vraiment besoin. Le verre de vin, la jolie ajoue de tulipe et les soupirs du matin. Le vin, bien que la sainte loi l'insulte, est délicieux. Versé par une jolie ajoute de tulipe, il est tout à fait délicieux. Et même amer, même interdit, je l'aime beaucoup. Et puis, c'est une vieille loi. Tout ce qui est interdit est délicieux. Vends le Coran, vends tous les livres saints pour du vin. Aurais-tu des mosquées, vends-les pour du vin. Échange un royaume pour un verre de vin. Le ciel, bol à l'envers, transforme-le en bol de vin. Les journées qui passent font à celui qui reste là chagrin sur ses jours. Bois du vin en écoutant l'élégie de la flûte avant que le verre ne soit brisé contre la pierre.